Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue sur Locan.jp. Nouvelle petite introduction puisque les vidéos ne sont disponibles que sur Locan.jp, donc ça sert à rien de me présenter et de dire que je viens de Locan.jp puisque vous y êtes déjà, vous aussi. Et on est mercredi et je pige pas pourquoi il n'y a personne sur la route, littéralement la rocade est vide. Voilà, à cette heure-ci, à l'heure où je vais à l'entraînement à 18h, en général il y a du monde. Il n'y avait personne, il n'y avait personne dans les rues à Balma, à Toulouse non plus, je sais pas pourquoi. Hier c'était blindé, avant-hier c'était blindé aussi, et aujourd'hui il n'y a personne. Bon, tant mieux, vous me direz, c'est plus cool pour rouler. C'est juste une vidéo toute simple pour vous dire merci à tous, plus particulièrement merci à Valentin, grâce à qui le site locan.jp est ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup à Frédéric également, qui depuis toujours s'occupe de la partie serveur, etc. de locan.jp. C'est grâce à lui que c'est locan.jp, qu'on a migré de locan.fr à locan.jp facilement et sans accro, le site est rapide, qu'il y a des ressources serveurs, que tout marche bien depuis le début, tout est grâce à lui. Alors je le remercie pas souvent, mais il le sait, et il sait que je sais que c'est grâce à lui que tout fonctionne bien comme ça aujourd'hui. Mais là je vais vous parler un peu plus esthétique et design, et du coup merci à Valentin que je fais chier, clairement on va le dire. Valentin c'est le graphiste, le designer, le développeur de locan.fr, locan.jp, qui est derrière ces petits outils et qui modifie des petits trucs au gré de mes humeurs, et c'est ce qui fait que locan.jp est aussi sexy qu'il est aujourd'hui. Alors en fait l'article à la base c'est honnêtement je suis très fan de mon propre site web, et c'est exactement ça. On arrive bientôt aux 10 ans de locan.fr, et en 10 ans ça y est, enfin il y a eu cette phase précédemment également, mais là je trouve que mon site est beau. Je trouve qu'on a très bien travaillé dessus, j'en suis très fier. Je suis fier du contenu que je poste dessus. Je suis fier également de la communauté que j'ai et des commentaires que j'ai ces derniers temps. C'est génial parce que on est entre personnes intelligentes, on se comprend, on discute, on échange, etc. Je vois davantage de merci dans les commentaires que je n'en voyais précédemment. Juste aussi des bonjours et des au revoir, ça change tout. Et c'est ce qui contribue à faire un site cool. Je sais pas d'où vient ce changement, peut-être le placeholder que j'ai mis dans les commentaires où j'ai mis merci de poster votre commentaire avec respect et je sais plus trop quoi. Ça vient peut-être de là, tant mieux, peu importe d'où ça vient, dans tous les cas c'est cool que y ait cette émulsion et que tout le monde s'y sente bien. Moi réellement je suis très content de poster du contenu, je suis très fier du contenu que je poste dessus, de la qualité des photos que je publie, de la qualité des articles que je publie. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait aussi être largement pire quand je vois ce que des journalistes postent sur des sites internet où ils sont rémunérés. Je suis fan de locan.jp, ça s'arrête là. Donc c'était juste une vidéo, à la base c'était censé être un article pour vous dire je suis très fan de locan.jp. Et en fait, merci à ceux qui permettent d'avoir le site tel qu'il est aujourd'hui. À Loïc qui sait ce qu'il fait pour le site, j'en parlerai pas, mais ça reste assez privé et personnel, mais il sait ce qu'il fait sur le site. Et voilà, c'est tout. Juste, je suis content. Et comme je suis content, j'avais envie de partager ça avec vous. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est aussi ça, de faire des articles et des vidéos. C'est pas forcément pour avoir quelque chose à dire, etc. C'est là, foncièrement, il n'y a rien à dire. Juste que j'aime mon site internet. Juste que je suis content que vous l'aimiez autant que moi. Peut-être pas autant que moi, parce que là, pour le coup, je suis très orgueilleux et prétentieux. Et j'aime beaucoup ma petite création. Très chauvin. Je sais pas quel est le mot qu'on dit dans ce genre de situation. Mais vraiment, je kiffe. Je kiffe vraiment. Qu'est-ce que fait ce camion en face? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Restons loin. Il est urgent de rester loin. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite sur le site. En fait, ce camion m'a vraiment perturbé. Parce que, certes, la caméra... Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je dise. Certes, j'ai la caméra qui tourne, qui est fixée sur le panneau. Sur le dashboard, le tableau de bord, mais la priorité ça reste quand même la conduite. Donc devant, quand il se passe des trucs, là vous voyez la vidéo s'est arrêtée, et le plus important ça reste de pas avoir d'accident et de conduire de manière raisonnable et responsable. Donc là je vais rouler sur des zébras, mais parce que j'ai pas trop le choix et que il y a personne sur la route, tout simplement parce que comme vous le voyez peut-être sur la droite, il y a un camion qui s'est arrêté en plein milieu. Donc voilà, donc certes il y a des vidéos, certes je parle, mais je parle tout seul foncièrement. Les prises sont pas toujours bonnes, des fois je divague ou je m'arrête de parler, je me dis c'est pas cool, il faudra que je retourne, et je retourne la vidéo.
safety first dans tous les cas. C'est pas parce que je parle à une caméra que ben, je suis au téléphone ou quoi, mon attraction n'est pas distraite. Ma concentration, je ne suis pas distrait, bref, parce que je parle tout seul en réalité. Je préfère être distrait sur ce que je vous dis plutôt que qu'est-ce que je fais. Et je m'embrouille au moment où nous arrivons devant chez All Fitness, le temple du bodybuilding de, de Gramont. Et je rigole tout seul parce que en fait, il n'y a pas de niveau chez All Fitness. C'est tout? C'est tout, hein, voilà. Ça me rappelle la vidéo que je vous avais faite, pétage de plomb en faisant le ménage à Grenoble à l'époque, où j'avais juste allumé la caméra et j'avais juste raconté ma vie. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Cette plaisanterie a assez duré. Ciao, ciao.